Ciao. Donc voilà, CS gars, on se retrouve sur YouTube pour une nouvelle vidéo de Jurassic World Evolution. On va finir la partie avec les herbivores. Donc on a nos deux Casmosaurus qu'on a dû tout simplement ouais, qu'on a dû tout simplement endormir avant que le dernier arrive. D'ailleurs, il peut être transféré. On va donc le transférer dès maintenant. Le voilà, notre beau Casmosaurus. Voilà. Il est effectivement magnifique. Et donc, on va réveiller les autres. Alors, ça, c'est toujours embêtant, mais pour les réveiller, on est obligé de les déplacer. La cible doit être évacuée. Voilà. On va chercher la Et cible. on va mettre deux. Un Gallimimus en plus. Celui-là peut être transféré. Il faut en faire 4 de Gallimimus. Nous avons reçu une proposition que vous devriez vraiment Le étudier. coût de recherche, on va l'améliorer. On va mettre encore un autre Gallimimus. Allez, permettez-moi d'en incuber un autre. Fermez-moi cette porte. Voilà, on va en mettre un autre ici. C'est vrai qu'ils sont jolis. On va s'occuper des fossiles. Prélever de l'ADN. Prélever de l'ADN. Vendre. Vendre. On va vendre pour le Dracorex également. Et on va vendre ici pour le Dracorex aussi. C'est vrai que je les envoie un peu partout. Hop là, le centre de recherche, il faut mettre l'amélioration coût de recherche. C'est vrai qu'il y a une amélioration pour ça. Je voulais vous dire que je vous suis reconnaissante pour ce que vous faites pour la division science. Voilà, c'est fait. Voilà, est-ce que ça va suffire maintenant pour leur confort? Je n'en sais rien, j'espère. Résultat de Maintenant recherche. qu'on a amélioré le coût des recherches là, peut-être qu'on va pouvoir. Ça va coûter un peu moins cher, je ne sais pas. J'ai été trop vite, ça n'avait pas l'air de coûter. Ça a l'air de coûter un petit peu moins cher. Que dit leur confort ici? Ah, population interaction, ils sont contents. Ok, nickel, c'est parfait. Ils poseront plus de problèmes. Il n'y en a plus que deux ici à faire et tout sera bien. Voilà, un nouveau Gallimimus. Gallimimus. Voilà. Il nous en manque un dernier. Et on aura fini la mission de la division science ici. Et voilà. Parfait. Chacune des espèces que nous élevons a des besoins précis. Leur bien-être doit toujours être au premier plan. C'est l'un de nos plus grands défis. Ces animaux ont beau être séparés, ils savent, ils sont conscients de la présence de l'autre, le prédateur et sa proie. L'un vit dans la frustration, l'autre dans la peur. C'est une cocotte minute qui n'attend que d'exploser. Ok, donc ça veut dire que les Deinonychus, on va devoir les placer tous ensemble. Ok, donc ça veut dire qu'on va devoir aller les endormir. Entendu. Aucun problème. Pour les placer avec les autres, on va mettre tout ça dans le grand enclos. Ce qui, à la limite, n'est pas trop mal. Pas plus mal. Comme ça, on aura un nouvel enclos un peu vide. Au cas où, on est à 1 million de dollars, c'est cool. Je pense qu'ici on va mettre un bâtiment aussi. Je sais pas ce qu'on avait mis. J'ai pas mis de station météo encore. On va voir les fossiles aussi. Hop. Niveau expédition, on va envoyer ici. Voilà, j'envoie un peu partout. Alors, on va les endormir et vite. Dès qu'il aura. On a quand même mis la précision 3.0, je pense. Donc, théoriquement, dès qu'il tirera, il s'endormira. Voilà, ils ont tiré assez vite. Voilà.
Alors, je vais mettre ici une station météo. Le centre des sciences aussi, ouais. Il a dit que je le ferais, ça. Bon, écoute, on verra bien. Voilà, en tout cas, ici, une nouvelle station météo. Voilà. Ok, on va tous les transporter. Cible en cours de récupération. Je pense pas que ça va bien se passer. On est en chemin pour récupérer la cible. Voilà. En route pour récupérer l'objectif. C'est très bien. Alors ici, j'ai mis quoi? Boutique de souvenirs, fast-food, bar, salle d'arcade. Ok. Pas mis autre chose. On va mettre ici, on va essayer de mettre... pour les visiteurs, on va essayer de mettre autre chose alors. Hein. J'ai pas mis de bowling. Il manque le bowling. Tiens, est-ce que ça a marché ici? Non, ici c'est trop grand. Est-ce que je peux mettre une boutique de prêt-à-porter? Je pense que ça va être un peu plus petit, quoique non. Même pas. En cours de transport. La cible est en boutique cours de jouets, je pense que ça peut le faire, ouais. Il y en a déjà une, hein, une boutique de jouets, je pense. Écoutez, on peut rien mettre de particulier ici. C'est pas grave, écoute, on va laisser comme ça. Donc on les transporte ici. Pour tous les rassembler. C'est impressionnant ces trois trucs. Je regarde le confort ici de mes amis dinosaures. Tout va bien. On va voir s'ils peuvent cohabiter tous. Ah, c'est bon. Ok, mission scientifique. Normalement, la forêt, ça devrait le faire. Hein. Ok, on a déjà un premier combat. Au niveau forêt, on va essayer de mettre un petit peu plus de forêt ici. Forêt, ça m'a l'air bien. Ça m'étonne que pour les besoins. Ils ont leur forêt, non? Pas ici. Ouais, celui-là là. Gallimimus, celui-là là aussi. Bah alors. Quels sont les dinosaures qui se plaignent? Certainement pas eux. Ah, le Calorus, celui-là. Attention, il a un problème au niveau de la forêt. On va envoyer une équipe de garde ici. Alors ici, pareil, on va envoyer une équipe de garde réparer ceci. Demande de réparation bien reçue. Voilà, et on va mettre peut-être un peu d'arbres. C'est vrai que j'ai mis aucun arbre ici. Voilà. Alors il y a juste l'interaction, mais l'interaction je pense qu'elle va vite se refaire. C'est marrant, on a mis la forêt, on a enlevé l'interaction du coup. Si ce n'est pas la catastrophe, ça y ressemble drôlement. Une maladie se propage parmi les dinosaures. Il faut immédiatement reprendre le contrôle de la situation. On va reprendre le contrôle de la situation. Risquer nos subventions en laissant la maladie se propager. Il n'y aura pas de maladie qui va se propager. Tâche confirmée.
Tout va très bien, on a une mangeoire également qu'il faut réapprovisionner. Bien reçu. Voilà. Soigner tous les dinosaures relatifs à la mission. Ah ok, d'accord, ok. Donc ça, ça fait partie de la mission. On est bien là. Alors, accéder aux recherches. Vitesse de rechargement des gardes, voilà. On aura ici, on a des nouveaux fossiles en plus. Je crois qu'on est en train de... casser, de vraiment casser la baraque. Prélever de l'ADN, le Pachycéphalosaurus. On va essayer toujours de l'avoir à 100, lui. Voilà, c'est ça qu'on va le réenvoyer là-bas. On est déjà à 2 millions. Alors, on va soigner le dernier qui est malade. Ils arrivent. Ah, tempête en approche. Allez, tous aux abris. Et celui-là, il va être soigné. Bah, il panique, il est pas content. Voilà, toutes les sortes. Ah non, il y en a encore d'autres qui sont atteints par la maladie. Nous allons bientôt faire face à une épidémie. La maladie se propage. Demande enregistrée. Mais non, mais non, mais non. Mais non. Vous avez l'impression que la maladie se propage, mais pas du tout, en fait. Ah, une tornade, tiens. Oh, ça fait longtemps. Sur le centre des fossiles. Salut, réacteur. Voici une tornade sur le centre des fossiles. Bâtiment endommagé. La salle d'arcade a été endommagée. Bah oui, elle a l'air assez mal en point. Waouh, il y a des sabotages en plus de la tornade. Non, mais c'est pas bien ça. C'est pas bien du tout. Catastrophe. Ah oui, c'est... clôture endommagée. Ah ça, j'aime pas du tout par contre. C'est où la clôture endommagée? Oh là là, vous avez vu cette tornade? Comment la violence? Oui, il n'y a plus rien qui marche là. Alors, poste des gardes. Nouvelle équipe. On n'a pas le choix. On doit conduire le véhicule. Je vais aller vers la clôture. J'en veux envoyer des gens dans les abris pourtant. Attention à vous. Première chose à faire, c'est réparer la clôture. Il y a des défaillances énormes. Voilà, alors ce que j'ai juste envie de voir. Nous attendons confirmation. Ce contrat est fait pour... Ok, je vais m'occuper de ça après. Ce que j'aimerais vraiment voir. Ok. Alors, je vais reprendre le contrôle ici. Ouais, mais tu proposes ce que tu veux, si je pratique, mais là. Je vais d'abord aller réparer les clôtures.
préparation requise. Voilà. Oh là là là. Et là. Ok, ici tout va très bien. Faut aller réparer un poste, les postes électriques aussi. Sinon plus rien ne marchera. Il manque un abri, hein. Il manque clairement un abri. Pardon, excusez-moi. Alors, est-ce que ça va suffire pour... Non. Ah ouais, non, il me manque encore plein de trucs là-bas. Voilà, que j'ai jamais eu une aussi grande catastrophe. Non. Non. Zibra, il y a trop de choses à faire. Bon, on n'est vraiment pas compte. Il est où ce poste électrique? Il est juste là-bas. Ça va foutre en l'air... Non, c'est pas ça que je veux réparer, moi. Je veux réparer le... Il n'y a pas une centrale à aller réparer quelque part? Alimentation électrique... Ok, non. C'est quoi qu'il faut aller réparer? Non, il faut que j'aille réparer le poste des gardes, alimentation électrique requise. Ah, mais c'est les pylônes, au fait, ici. Ouais, réparation simulateur, effectivement. Je veux que les postes des gardes puissent être autonomes. Oh mon dieu, je... Allez, hop. Santé fragile, bah oui, forcément. Réparez-moi ça. Début des réparations. Où est-ce qu'il est l'autre pylône? Réparer aucun. Comment c'est alimentation électrique qui suit là-bas? Les questions de Kikou, Zipra. C'est possible de faire une hypodermique sur un visiteur. C'est possible de faire exploser la base. C'est possible de déterrer un missile. C'est possible de mettre un visiteur en appât. Qu'est-ce qui ne va... Ok, ça remarche. Il faut absolument que... Voilà, il va administrer un médicament. Tâche ajoutée. Alors avant de faire tout ce qui est électrique, il faut aller mettre dans les mangeoires. Hop là. Des... On se rend à la mangeoire maintenant. Voilà. Ça c'est bon, réparer un véhicule ça l'arcade. Ok. Tempête, ça fait des dégâts. En même temps, c'est logique. Rajouter une équipe de garde, non, je peux pas. Ce que je pourrais mettre, c'est leur mettre planning des équipes de garde, acheter. Je vais remettre aussi la précision. Ah, j'ai fini la mission scientifique. Ah, c'est déjà pas mal, hein. La quatrième équipe. Ouais. Nous avons évité le pire. Ce n'était pas la peine de crier au feu. La contagion est éradiquée.
Il n'y a plus aucun signe de la maladie dans le parc. Oh, pas la peine de crier au feu, dit celle qui tient le lance-flamme. Aucun problème. Waouh. Ok, je pense que j'ai lancé les réparations partout. Je pense que ça va aller. Il va falloir que je rajoute un abri quand même, j'ai gagné plein d'argent. On va mettre un... Il va falloir que j'en mette un abri quand même, hein, parce que... Franchement... Ça ne va pas. Alors, le centre des sciences, j'aimerais placer aussi, mais... Je vois pas trop où. On verra bien. On va permettre... voilà. On va ouvrir tous les abris. Et on va envoyer... Le génome du... Alors, je sais plus quoi. On va vendre ça. On va prélever l'ADN ici. Vendre, vendre, vendre. Ouais, évidemment. Je vais essayer. Vendre. Je crois que je vais même faire en sorte que ce soit un dinosaure qui aille faire une hypodermique sur un visiteur. Je pense pas que j'ai encore des sites pour faire ce qu'ils m'ont demandé, au fait. J'ai accepté un contrat, là, mais... Jamais croisé, ça. Ouais. Non. Jamais croisé celui-là. Allez, non relié. On est en train de tout réparer. Donc le Kentrosaurus là. Bah, tu vas te faire Ken. C'est pas drôle. Un contrat. Résilier le contrat, c'est parfait. Voilà. Ok. Bon. On se calme, on est calmé, on est bien. Nouvelle mission. On a accès à la mission de divertissement. Atteignez un minimum de 1000 visiteurs dans le parc. On va commencer cette mission-là. Notre but est de redonner un petit coup de jeune au parc. Le rendre plus captivant, le remettre au goût du jour, quoi. Un parc jurassique moderne. Mais pas encore 1000 visiteurs, hein. La familiarité engendre le mépris. Alors on va faire bouger les choses, attirer un peu de sang neuf dans ce parc. Il faut qu'on y arrive, coûte que coûte. Ne quittez pas. Ça n'a jamais fait de mal à personne, pas vrai? On va essayer. Alors je vais prendre des missions de la sécurité aussi. Je sais que vous avez déjà accompli. Empêcher les coupures de courant. Ça ne va pas vous poser de problème. Faudrait que je passe un hôtel pour ça, pour avoir un peu plus de visiteurs, mais. Vous aussi, vous voulez un réseau électrique fiable, je le sais. Il va vraiment falloir placer un hôtel quelque part. Ouais, mais quand je vois la place que prend l'hôtel, je pense qu'ici il y aurait moyen. Je pense qu'il y aurait même grandement moyen, mais il faut que je mette un... Alors on va remettre ici un poste électrique. Vraiment essayer de faire quelque chose... comme ça on peut supprimer celui-là. Si on nous rembourse un petit peu d'argent. On va mettre une année par ici. Oh, un dinosaure mort. Ça, c'est le premier. Forcément, j'aime pas mal améliorer leur expérience de vie. C'est lequel? Un Deinonychus. Alors, est-ce qu'il a été tué? On va le transporter. Demande de récupération bien reçue. Et on va en refaire un. On va en refaire un très vite. Deinonychus. Où est-ce qu'ils sont? C'est celui-là. Non, ça, je ne sais pas encore. On va l'incuber. On va modifier le génome. On va essayer d'en faire un sympa.
une bonne espérance de vie. Voilà. Enfin, on va faire un simple sympa, voilà, juste l'incuber un petit peu. Voilà. Alors, le Deinonychus, on va justement aller peut-être alors en chercher d'autres. On va vendre ça. On va vendre. On va vendre. On va vendre. On va prélever. Et on va vendre. Alors, Deinonychus. Il suffit d'aller demander. Nous venons de recevoir un contrat. Ouais, super. Je prends ça. Voilà. Des nonichos ici, comme ça. Si on me laissait faire, tous les habitants de cette planète auraient l'occasion de passer un moment en tête à tête avec l'un de nos dinosaures. Enfin, avec les plus inoffensifs. Bien sûr. Alors, l'hôtel, on va pouvoir le mettre ici ou pas? Est-ce que je suis fort ou pas? Ça me paraît compliqué. Hein. On a des contraintes de terrain. Alors, on va déjà enlever tout ceci. Ça n'est pas très plat. Alors, vous savez bien comment j'adore la terraformation. On va s'amuser, je crois. Non, je veux juste aplanir tout ça. Un lycée. Ouais, non, ce que je fais là ne sert absolument à rien. Ça va être suffisant, ça, je pense pas. Je pense que j'ai fait n'importe quoi. Quand on essaye de réfléchir, hein. Et on va détruire les allées. Même détruire ça. On va essayer de placer l'hôtel et puis après on placera les routes et le reste. Je pense que... Je pense que c'est ce qu'il y a vraiment de mieux à faire. Ouais, l'hôtel veut vraiment pas être placé. Dommage qu'on puisse pas mettre pause, parce que là ça m'arrangerait bien une petite pause. Alors... Le problème hein, c'est quand je fais aplanir... Alors ça, pour aplanir, ça aplanit. Hein. Mais j'ai pas l'impression que... On va pouvoir placer quelque chose de bien ici. Non, c'est à chaque fois pareil. C'est pas pratique leur truc. Hein. Non, ça abaisse. On va essayer de tout surélever un peu. Comme ça, on va pouvoir lisser. Là, peut-être que... Ouais, non, je pense que j'arriverai pas à mettre un hôtel ici. Peut-être que quelqu'un aurait pu... Et si j'aplanis par le haut? Ouais, on va essayer de... Ah, je vais devoir le sortir celui-là, sinon j'ai des dinosaures qui vont péter un câble. Vraiment, on va essayer d'aplanir par le haut. Je vais d'abord enlever ceci. Alors, nombre total de visiteurs, c'est très bien. Et moi aussi. On va aplanir. Mal foutu.
Ouais, je vois l'idée, au fait. C'est peut-être un peu beaucoup, ça, non? Peut-être que je vais quand même pouvoir placer ce que je cherche. C'est un peu haut. Mais en même temps, ça permet juste de placer l'hôtel. Non. Faut que j'abaisse un petit peu ici. Dommage qu'on puisse pas placer l'hôtel ici. En même temps, le nombre de visiteurs augmente quand même, donc ouais, non. Non. Non, je vais pas me. Ça va me prendre la tête. Pas ici en tout cas. Voilà. Et on va devoir replacer. Un petit poste électrique. Voilà. On a tout remis. On a des fossiles, on va pouvoir les vendre. On va prélever de l'ADN pour les Deinonychus là. Là qu'on n'est pas encore. Et on aura largement assez pour tout avoir. Très bien. Du nouveau des recherches, on va pouvoir également faire certaines choses. L'Indominus Rex. Ok. C'est associé le génome de plusieurs dinosaures des espèces contemporaines. Son génome de base se compose de celui du tyrannosaure et du vélociraptor. Le reste est top secret. J'en ai entendu parler sur certains forums. Et bien voilà, donc c'est une espèce de super dino. Bah voilà, j'ai au moins accès à ce dinosaure. C'est pas mal. Je vais regarder au niveau de la carte s'il y a un endroit où. C'est vrai qu'ici il n'y a plus rien maintenant, mais j'ai pas envie de supprimer cet enclos-là. C'est un peu bête de pouvoir rien faire ici. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment bête. Hein. Maintenant, peut-être qu'on peut mettre le bowling, par exemple, la boutique. Ce jouet, j'avais voulu mettre ça avant, tiens. Je vais Vous mettre un avez le bon bowling pour ici. résoudre les problèmes. C'est un sacré atout par ici. Voilà. Ah, ça joue bientôt atteindre 1000, hein. Mettre un bowling. Je vais mettre au centre de contrôle. On va aller chercher des contrats dans les visions sécurité. Je vous conseille fortement d'accepter ce Fossile contrat. de grande qualité. On va le faire sans problème. On doit continuer à chercher des dinosaures qu'on pourra domestiquer. Enfin, on pourra essayer de contrôler, disons. Et pour ça, il faut les laisser gérer eux-mêmes, en fonction de leur hiérarchie naturelle. Ce qui veut dire qu'il nous faut plus d'échantillons. C'est justement le but de cette expédition. Ouais, si, par contre. Hop. Hop. En lissant ça. Je suis peut-être un peu optimiste, non, c'est bizarre. En fait, il est hors limite, il y a d'obstructions. Ah! On a déverrouillé l'Isla Sorna. Une des plus grandes. Ah oui, c'est Isla Sorna. S'il y a un endroit sur cette planète telle qu'elle est aujourd'hui, qui semble parfaitement adaptée aux dinosaures, c'est bien cette île. Ben voyons, tout s'est tellement bien passé les fois précédentes. Voilà que je parle comme Malcolm maintenant. Voilà. Mettre un bowling ici. Est-ce qu'ils sont interactions? Ouais, ils sont pas trop mal. J'ai envie de faire un Diplodocus. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit comme ça, faisons un diplodocus.
J'ai pas encore fait. On va modifier le génome un peu du Diplodocus. On va faire un Diplodocus qui va augmenter ma note. Dès qu'elle m'a 3 étoiles et demie. Faisons-le, type aride, voilà. J'ai envie de faire un Diplodocus. Parce que le Diplodocus c'est bien. Alors, on va mettre une espérance de vie beaucoup plus forte. Voilà. Génome d'Indominus Rex, je l'ai. On va faire un 211 ici. Indominus Rex est une créature magnifique. Si l'évolution avait eu plus de temps. Enfin, nous avons simplement hâté le processus. Le résultat est tout simplement exceptionnel. Et il vaut son pesant d'or. Ah, vraiment ça, l'Indominus Rex. N'allez pas saccager mon œuvre. Ou vous aurez affaire à moi. Pas mal, hein. Je pourrais, un demi-on. On fera ça plus tard. On va faire un Diplodocus tel qu'on l'a. On va l'incuber. Je pense que le Diplodocus peut vivre seul sans aucun problème. Hop. Voilà. Où est-ce qu'on ferait un Indominus Rex? On tenterait ça. Ouais, je sais. Je sais qu'ici j'aurais pu. Ouais, je pourrais renier. Ouais, je vais peut-être pas avoir le choix que de renier. J'étais en train d'y réfléchir aussi. L'enclos des herbivores, finalement, peut-être que là, il n'en a pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. On va renier un peu. Hein. Même, on va pas trop renier. Parce que finalement, regardez, ici, j'ai pas besoin de ça. Je pense avoir besoin pour certaines choses. Il va falloir mettre une porte aussi. Voilà. Ça a changé quelque chose à leur confort. Par contre, la porte, on va la mettre. Hein. On va la mettre ici, la porte, justement. Voilà, on va faire quelque chose comme ceci. Et alors peut-être que l'hôtel, il y a peut-être la place, comme tu dis. Ouais, non, j'aurais dû rogner de l'autre côté, en fait. Mais le problème, si je rogne ici... Non, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme, mais avec le Diplodocus... Une proposition intéressante, ça se... Et... J'ai renvoyé des expéditions ou pas? Ah non, j'ai rien renvoyé du tout. Avec les Diplodocus. Alors il y a toujours cet enclos là aussi, hein, dans lequel il n'y a absolument rien. Mais je le laisse pour le moment parce qu'on ne sait jamais. Avec les Diplodocus, et peut-être cette Indominus Rex, qu'on pourrait peut-être essayer de créer. Bon allez, incubons-le. Incubons-le, bah oui. On va tenter. À mon avis, ça va être compliqué à gérer. Hein. Les chiffres ne mentent jamais, et les vôtres sont impressionnants. On va tenter. Diplodocus est en train d'être incubé. Par contre, au niveau opération, on va peut-être pouvoir mettre... Ah, j'arrive tout de suite.
Donc voilà, de retour, ça a été très vite. Et donc, je vais prendre un peu mon souffle. Donc j'étais en train de me dire que, avec le Diplodocus et l'Indominus Rex, je devrais normalement y arriver. Au mille visiteurs. Je vais peut-être voir aussi ce que j'ai en matière de loisirs. Bowling. Fast-food, souvenir, bar, salle d'arcade. J'ai pas encore les jouets. On va mettre les jouets ici. Ah, j'ai récupéré un bon fossile. Hop. Voilà. non, c'est pas ça. C'est que... Très impressionnant. Pour que vous racontiez ma vie, j'ai commandé une nouvelle chaise de bureau. Ah, j'ai accès à la mission de sécurité niveau 4. Ses fins d'une manière ou d'une autre. Alors, voilà, on la fera après. Et donc j'ai commandé une nouvelle chaise de bureau. Et c'était un paquet super lourd sur deux étages. Et j'ai fait ça en 30 secondes pour pas vous perdre. Pour pas vous attendiez trop longtemps. Et voilà quoi. Je crois que j'ai jamais monté un carton aussi vite, quoi. Mais c'est super lourd ces trucs. Ça marche pas ici. Voilà. Voilà, c'est parfait. C'est un peu bizarre comme truc. C'est parfait, on a à nouveau un dinosaure mort. Comment ça, sans électricité? C'est pas grave, ça. Ok, si, c'est grave. Poste électrique. Alors, bah, j'imagine que c'est un de ceux-là. On va le retirer. C'est le Deinonychus. Ah, alors que l'Indominus Rex est en train d'être créé. Voilà le Deinonychus, on va en faire un autre. Et ici on va mettre un maximum de personnel. Comme d'hab, alors que je pense que on a réussi à créer Peluchosaur. Tiens, c'est pas mal ça. Non, c'est peut-être un peu beaucoup ça. On va mettre ça à 20$. On a créé nos Diplodocus, regardez. On a créé le Diplodocus. Ils sont toujours beaux. Hein. Ça c'est. On a beau les voir et les revoir, c'est toujours très très impressionnant. Isaac qui s'en remet au chaos. Voilà qui pourrait être intéressant. À chaque spectacle, sa vedette. Et notre vedette est une diva. On a déjà un tyrannosaure, mais il en faudrait un autre. Mettez-vous au boulot et une étoile sera née. Oh, et faites en sorte que les visiteurs soient aux premières loges. Tiens, un tyrannosaure ne manquera pas d'attirer l'attention, certes, mais je vous rappelle que ce n'est pas sans risque. Il n'existe pas de prédateur plus redoutable. Ok, un tyrannosaure niveau 300. Rien que ça. Diplodocus, il est content, il est heureux. Bah oui, tout va très bien. Et lui, au fait, il est très bien tout seul. Et ben voilà, ça nous fait un nouveau dinosaure ici. On a quand même une note de 3,5. On va voir qu'il y a un Tyrannosaurus Rex de 300. Alors, à mon avis, le Tyrannosaure, je vais le mettre ici. Je vais pas mettre là, Tyrannosaure. Je vais mettre avec d'autres. Il vit bien avec les autres, le Tyrannosaure. Donc, à mon avis, il faudra faire ça ici. Il faudra faire ça ici.
Finalement, de cette petite île, on a quand même créé quelque chose d'assez sympa. Et ça, c'est vraiment cool. Parfait. On va aller dans les recherches hein, maintenant aussi qu'on a pas mal de d'argent. Voilà. Et on a des fossiles en plus. Prélever de l'ADN. On va vendre. On va vendre. Vendre. Je pars, moi je reviens sans doute plus tard. Oui, pas de soucis, y pratique. Voilà. Bien écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et sur Twitch et sur YouTube. Hein. Voilà, donc je passais en faire un petit live rapide sur Jurassic World Evolution. Prochains épisodes, et bien prochains épisodes, on va s'occuper de ce tyrannosaure et des carnivores, parce que j'ai l'impression aussi que la mission de sécurité me demandera aussi, si on regarde bien la mission de sécurité, demandera, alors je voilà, je l'ai plus, mais va me demander également de créer d'autres carnivores, donc faudra gérer, on a encore un enclos ici hein, pour carnivores, faudra gérer tous ces carnivores ensemble, ça va faire des dégâts. Hein. Mais tant mieux, voilà, tant mieux, ça fera un peu d'animation. Mais je suis content parce que je travaille bien sur la note des dinosaures et ma foi, ça se passe assez bien et quel splendide jeu. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live et cette vidéo. On se retrouve ce soir sur Twitch pour Elite Dangerous. Ciao, ciao.